il y a un facteur qu'ils ne prennent pas en compte. Et ça, je pense que ça dit, pour moi, c'est le karma tout ça. Sinon, on va vous dire. Tant pis, celui qui n'est pas content. Je vous donne un exemple. Ça dit, si ce n'est pas le karma. Non, dans une société, à chacun son rôle. Non. La défense de l'intégrité territoriale, vous savez, relève du rôle de l'armée. C'est pourquoi on paye les munitions, on paye les armements pour les pourvoir. On les habille pour ça. Dénoncer, critiquer pour que ça change relève du rôle des médias. C'est ce qu'on fait. Lorsque vous passez une semaine dans le coma, vous êtes revenu à la vie et vous ne changez pas, ça c'est le karma. Ça sous-entend que vous êtes prédestiné, vous, à ne pas faire quelque chose de bon. Yeah. Je vous donne un exemple typique. Vous savez, pour moi, c'est pourquoi je me dis c'est vraiment une question de karma. Il y avait, je prends l'équipe Gomu. C'est-à-dire l'équipe du premier ministre Gomu. Non, laisse passer. Voilà. Alors, de l'ex-premier ministre Gomu. Et puis, vous parlez de Gomu. Oui. Je passe souvent devant ce Gomu. Oui. Il n'y a qu'un seul vigile. Hein. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas compter plus de trois véhicules. Justement. Tout ça ne dit rien aux dirigeants. Imaginez. C'est-à-dire qu'il y avait les... Non, ça, il faut qu'on le dise. Imaginez. Il y avait il y avait un poste de police qui était juste devant un PA. Oui. Devant chez lui, il y avait du monde. Oui. Il y avait assez de véhicules comme si c'était un parking. C'est Kassouri. Non, ce Kassouri, c'était jusqu'au bord de la route. Ouais. Et désormais, même si vous êtes du secteur, il faut que vous vous identifiez. Je vous dis. Étant résident du secteur. Monuma. Aujourd'hui, vous pouvez passer là-bas. Monuma. Vous ne voyez personne. Monuma, imaginez. Ça ne dit rien. Non, mais Monuma, imaginez. Mais c'est pas possible. Quand on a dissous le gouvernement, déjà, au moment où on prenait cette décision, il y en a qui étaient en train de menacer. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont restés à menacer, on est venu murmurer, on est venu leur dire que c'est le moment de sortir parce qu'à partir de l'instant, ils ne vont plus avoir accès. C'est-à-dire, séance tenante, ils viennent, ils veulent accéder à leur bureau. On dit non, ce n'est pas ici. Ça, pour moi, vous avez vécu ça. Quelques semaines plus tard, vous êtes reconnu. D'abord, le même jour, on vous retire votre véhicule de commandement ainsi que vos gardes-corps et tout ce qui s'ensuit. Le lendemain, vous vous retrouvez dans le quartier. C'est-à-dire, vous-même, il y a certains qui étaient obligés eux-mêmes d'ouvrir leur portail. C'est-à-dire, avant de sortir, d'autres ont emprunté et appelé de l'aide pour rentrer chez eux.